sprint sportif avec les pneus à crampons. Ouais. Là, il y a ma coéquipière. Yeah. Un même délivreur de pizza. Ça y est, c'est le départ. Alors, c'est grave, docteur? Ça, non, ça va, c'est juste un petit niveau de vie là. Ah, il fait un service avant de partir, tu vois. Ça, c'est de la conscience professionnelle. Bravo! Bonne route! C'est la merde. J'ai le voyant moteur qui s'est rallumé. J'ai tout l'électronique qui est en train de merder. Tout va bien, tout va bien. Non, ça va pas. Il y a tout petit éteint qui se rallume. Oui, ça va aller. Elle roule, tant qu'elle roule, oui, tout va bien. Si je calme, c'est fini, je pourrais plus avancer. Je pense que ça va aller. T'inquiète pas. Elle aime pas les vibrations. Oui, ça... oui, j'ai bien compris. Bah, écoute, c'est les vibrations, mais c'est rien, sérieux. Ça va aller, ça va aller. Tu vas aller devant, va devant. Parce que comme ça, s'il y a quelque chose, va devant. Comment tu nous dis que tu as roulé jusqu'ici avec la batterie qui n'était pas branchée? Exactement. Voilà. Comment ça se fait? Donc c'est une toute petite panne. Voilà. Voilà, donc en fait, ils ont réussi à visser la vis de la batterie et la cosse n'était pas vissée. Tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait un bisou aux plantes? Ouais. Ok, elles sont sympas. Ouais. Et bonne route! Alors, tourne de ce côté-là, je vais te pousser en arrière, ok? Tout va bien? Les doigts dans le nez, les gars, les doigts dans le nez! Oui? Oh, trop bien! Wouhou! Je crois qu'on a un petit problème! Bien. Coucou! Voilà! Alors, tu vois là, un tir fort, ça sert à rien parce qu'il n'y a que les arbustes autour. Donc, ouais. Voilà. Et le fermeur, il vient de passer, donc on est bien. Tout va bien. A plus! Ah, mais je pensais que tu voulais juste faire une pause. Ok. Tu m'aides ? Non. 1, 2, 3. J'arrête pas de tomber. Tout va bien. La boue, c'est pas trop mon truc. Non. Ouais, on arrive. Il faut... Mais t'inquiète pas, la boue, ça tombe après quand on roule. Hein. Mis à part ça, il faudra qu'on fasse demi-tour. On n'est pas au bon endroit? Non, c'est de l'autre côté. 1, 2, 3. Ok, que je suis transformé en Sherpa, n'est-ce pas? Merci, merci, ciao ciao. On se voit à l'EMS. Tchuss. Mon museau, c'est gros. Tu sais là où il y avait le gros creux? Oui. T'as monté en crabe. Il dit, il garde trop son nom ce matin. Je me poilais, puis toi, il galérait. Je devrais pas rire parce qu'il galère. Ouais. Mais non, tout allait bien. Bon. Ok, on roule. Allez, on y est. Ça va,
Et voilà. Merci les gars, sympa. Des questions ? C'est la première fois que je fais ça, moi. Ouais, moi aussi, t'inquiète pas. Ça va, tu t'amuses ? Ouais. Il y a tellement de boue qu'on a de la peine à avancer. Enfin, moi j'ai un avantage technique. Moi j'arrive vraiment à passer partout, puis même à dépasser certains motards. Alors malheureusement Adine n'a pas les bons pneus. Et du coup, elle a un petit peu plus de peine. Tout se passe très bien, on est ravis. Ça va, tout va bien, merci. Ça va bien demain? Non, on se fait un peu chier aujourd'hui, tu vois. On se fait un peu chier? Oui, oui, c'est trop facile. Ah oui? Tu es embourbé? Non. Non, non, ça va bien. Ça va bien. Ça glisse un peu? Oui, voilà, elle avance à sa vitesse. Ouais. Tout va bien, merci. Hein. Si jamais on vous appelle, on a vos numéros maintenant. Ouais. Ciao, bonne route. Ça va aller? Oui. Ok. L'aventure, c'est bien. Ça roule? Tu te fais une petite salade? Bon, bonne digestion. Merci. Bon, pas tout à fait midi, hein, mais on s'est arrêté, donc voilà. Bilan de la matinée. 30 km. On en a 200 à faire d'ici ce soir. Enfin, il reste plus que 170, pardon. Et alors? Ah, c'est trop bien! Franchement, là, je commence à apprécier aujourd'hui. Le premier 4 km, ouais, 8 km, c'était dur dans la bouche, je savais pas trop comment faire. Et puis, il y a un mec qui m'a expliqué, du coup, vachement mieux. En fait, on l'a lâché parce qu'il était beaucoup trop lent pour nous. Ouais, il me ralentissait, franchement, c'est vrai. À partir d'un bout d'un moment, il me ralentissait. Donc voilà. Il est parti devant, puis Antonio s'est arrêté, puis moi j'étais entre les deux. Du coup, je suis revenue. Voilà. Je suis fidèle. Non, en fait, c'est parce qu'il a l'eau. Voilà, c'est moi qui ai l'eau. Voilà, c'est comme ça. Il n'y en a qu'un qui tourne. Ça s'est bien filé. C'est fini. Franchement, aujourd'hui, c'est un gros éclat. Je me suis envoyé dans le champ avec pas la moto, du coup, juste moi. En plus, là, je suis avec une bonne équipe, on va vraiment en bon rythme, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on fait alors? On y va ou pas? Et en fait, tu vas pas aller dans le panier, tu vas aller dans la piscine. Je viens de me rendre compte qu'il y a plein d'eau. Là? On va te faire signer une décharge. Comme quoi le drone me revient. Non, là, attention, après toi, il va falloir rouler. Si ça va trop vite ou si ça va pas, il me tape la jambe, parce que sinon j'entends rien. On est d'accord? Ouais, puis, mais pense quand même à ses objectifs. Ça, jusqu'à 50, c'est bon. Ok, d'accord, j'ai compris. Pas ça, pas plus. Seulement 50. 50, ça va vite déjà. Elle est tombée. Ah merde, ouais. Elle est tombée. 1, 2, 3. No problem, let's go. Ouais. J'ai pas. Voilà, parfait. Trop cool. Bien le side, hein. Ouais. Bien. Tu bombardes. C'est toi qui m'as dit de pas m'arrêter, donc je ne suis pas arrêté. Attends, moi je me régalais, hein. J'allais pas te dire de t'arrêter. Hein.
Alors, ça m'ennuie pas, mais il faut savoir une chose. Hier, j'avais celle de ma collègue et à un moment donné, elle a tout qu'à lâcher. Heureusement qu'elle était derrière. Mais au-dessus du sac, je viens de la paumer, tu vois. Donc. Ok, alors, aucun problème. Mais si je mets une sonde, et aucun problème. Si je la paume, oui, ne lui gueule pas dessus. Pas de okay. Exact. Oh là là. Ouais. T'es malade de venir. 1, 2, 3. Le problème, il fallait pas que je. Je suis de traviole, j'arrive pas à reculer, j'arrive pas à avancer. Bon bah je vais attendre que quelqu'un arrive, hein. À plouche. Salut Tonio, dirais ce que tu veux mais cette fois, je manque à gagner. Bilan de la journée, extraordinaire, extraordinaire. Donc là aujourd'hui, j'ai fait le parcours extrême. Alors je suis extrêmement content, en même temps extrêmement fatigué. Mes bottes là sont un petit peu lourdes. On va voir. Ah ok ouais. Alors c'est pas la transpiration hein. On est prêt à y aller. Troisième jour. On est un peu taré, ouais vas-y. Donc aujourd'hui on fait chambre à part. Oui. Donc lui il va faire l'extrême et moi je repars avec les trois de hier, donc ça va bien se passer. Oui. Donc tout va bien. On est au taquet, hein? Yeah. Que je bricole un petit peu, une méga ornière cachée dans les herbes, bien sûr que j'ai pas pu éviter, comment dire, déboîter, voire un petit peu abîmer le support du pot d'échappement, donc là c'est déboîté, donc comme c'est très chaud je peux pas y aller tout de suite, qu'à cela ne tienne, c'est midi pile, donc je vais manger, appétissant. Repas de midi, c'est clair, il n'y avait rien d'autre, donc je prends ce qu'il y a. On ne peut pas passer entre les deux cailloux là, ça passe pas. Alors voilà, on a contourné. Donc c'est un joli petit chemin. Qu'est-ce qu'il dit le point GPS? Oh bah ça va, il y en a pour 240 mètres. On y va! Merci encore. Hein. Bah avec plaisir. C'est super cool. Là, je suis triste maintenant. Ah ouais, là tu peux. Bah là, ouais, tu peux. Ouais. Ouais. C'était quoi ce de caillou là, éliminatoire pour les sidecars? Éliminatoire. Ouais, je suis passé à côté, mais. À côté? Hors piste? Un peu. Ah, alors il y a un coin où on traverse vraiment dans un sous-bois, quoi. Ouais. Et puis tu as deux gros cailloux avec la trace. Ouais. Alors si jamais ça passe tu prends, pas. Tu prends le t'es passé par le chemin là, par la piste. J'ai contourné les cailloux. J'ai contourné les cailloux, puis j'y suis allé. Bah le point GPS, il disait d'aller tout droit. Ouais, mais faut pas. Mais j'ai contourné des 2 mètres. Ouais, non, mais ça roule. Mais là, je veux pas aller dans le champ. La piste qui vous amène là, en fait, c'était juste un passage rigolo. J'ai vu, oui. Qui servait à rien, quoi. Ah non, il faut y aller. Ouais. Et c'est le parcours aventure à cet endroit-là, il fait le tour. Ah, ok, d'accord. Ouais, mais non, mais moi je suis venu pour l'extrême. Je suis venu pour l'extrême. Merci beaucoup, ouais, c'est vraiment super chouette. Hein. Bon, bah, je vais aller me parquer maintenant. Paris-Dunkerque, les gars, les filles, il faut venir. C'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Oui, alors il faut prendre des pneus à crampons. Oui, ça, sûr. Mais. Juste un engin un petit peu surélevé avec un savon moteur, petite main cylindrée largement suffisant quoi. Mais il faut le faire. Excusez-moi, j'étais pas encore arrivée. C'est chose faite. C'est hyper beau.
Voilà, il y a un super bateau, et des motos. J'ai croisé Antonio qui est arrivé depuis Milan. Donc voilà, mais nous on l'a fait aussi avec, avec les autres, on est arrivé. Atlas, bon, ben Atlas, il a plus souffert que moi, j'ai rien cassé. Alors, dans le genre, c'est peut-être pas une bonne idée, on va essayer quelque chose. Pas là la mer. Non, on peut pas aller dans la mer, elle est trop loin. Ouais, on va pas y aller en side. Non, c'est marqué que c'est interdit, alors on est quand même venu parce qu'on est des putains de rebelles. Mais, exactement. Mais il y a trop de gens, on a peur qu'ils appellent la police. Voilà, alors on va rentrer. Ciao! Bye bye! Ouais! C'est beau! On est arrivé à Dunkerque! C'est bon! On l'a fait! C'est bon, on est content! Voilà! Non, maintenant tout le monde est triste parce qu'on doit rentrer. Ah ouais, voilà. C'est vrai. C'est juste. C'était dur, on a dû dire au revoir à tout le monde et ouais, c'est dur. Voilà. On reviendra. Il s'éteint ton téléphone. Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Tout s'est très bien passé. Ouais, alors c'était un peu dur ces deux derniers jours là, mais c'était cool. On est arrivé, PDK c'est fini. Voilà. Ouais. On pleure maintenant. C'est nul, ouais. Oui. Mais à part ça, c'était hyper cool. Oui. Je suis super contente d'avoir fait ça avec toi. Moi aussi, c'était super sympa. Et bon, voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures. Dites-nous merci. Quelque chose, vous avez été très silencieux aujourd'hui, ça nous a pas beaucoup encouragé. Non, pas du tout. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis ces trois derniers jours. Hein. Voilà, c'était cool. C'était hyper cool, ouais. À bientôt. À plus.